Je pense que tu as noté qu'on a été victimes tous d'une petite pandémie avec des virus proliférants. Et assez rapidement, on s'est posé la question de, quelles sont les matières judicieuses à employer pour peut-être faire barrière à ces virus? Quelles sont les matières qui, elles, au contraire, ont tendance à favoriser la prolifération des bactéries? Donc, il y a eu une grosse interrogation là-dessus.